T'as peur de me laisser? Non, c'est pas loin. C'est la première fois que t'es toute seule. Ça va être trop bien. Je m'en vais. Je viens d'arriver dans la chambre. J'ai été surclassée. Regardez comme c'est immense. C'est incroyable. Mon dressing, un petit frigo. Et regardez la chambre, comment elle est incroyable. La vue, bon, il pleut, mais la vue, c'est trop beau. J'adore. Et regardez la salle de bain. Je savais même pas que j'avais une baignoire. Wow. Baignoire et douche. La douche, elle a l'air incroyable. Contente. J'ai le droit à une coupe de champagne. C'est très fancy. Je suis dans une ville que je ne connais absolument pas. C'est la ville de Blois. J'ai décidé de partir en week-end toute seule. Je n'ai jamais fait ça de ma vie entière. Sans téléphone. Alors là, encore moins. Pour plusieurs raisons. La première, je suis beaucoup trop sur mon téléphone. Ça me stresse énormément et je pense que toutes les personnes, et je pense que maintenant c'est quasiment tous les âges, mais toutes les personnes qui ont mon âge, on se comprend, c'est catastrophique. Ça fait tellement partie du quotidien que couper son téléphone, c'est très compliqué. Encore plus quand, imaginez, c'est mon métier. Et la deuxième chose, et en vrai, je pense que je vais un peu me confier dans cette vidéo parce qu'il y a des choses que vous savez pas sur moi. On en parlera au fur et à mesure de la vidéo. On est vendredi soir, je rentre dimanche midi, Jérémy vient me chercher à midi. C'est prévu comme ça, puisqu'on va pas communiquer du week-end, c'est incroyable. Je n'ai pas pris mon téléphone avec moi. La seule chose que j'ai, c'est que j'ai mon ordinateur. Alors, je suis désolée, mais regarder une petite série, ça fait partie des choses qui personnellement me détendent. Je l'ai pris au cas où je ne peux pas le faire sur la télé. Je vais boire ma coupe de champagne, je vais me détendre, peut-être allumer la télé. Il est déjà un peu tard, donc il va falloir que je mange. Qu'est-ce que je vais manger? Parce que c'est quand même un hôtel hyper fancy, je vous ai pas dit. Je suis venue là parce que, mon dieu, il y avait une grosse réduction. Je suis une grosse radine, mais en fait ça coûte super cher les hôtels, excusez-moi. Et surtout, ça avait l'air incroyable. Et c'est incroyable. Dans l'hôtel, il y a le restaurant d'un chef étoilé. Si ça se trouve, on le fera. Parce qu'on est là pour profiter de la vie. Mais malgré tout, peut-être qu'il faudrait que je trouve une petite supérette et que je mange un sandwich. Il y a moyen que ça se passe comme ça. Oui, bonsoir. Je vous appelle pour commander room service, s'il vous plaît. Alors, je vais vous prendre le pain à la truite fumée. La réception d'Aïe, bonsoir. Comment puis-je vous aider? Oui, bonsoir. Je crois que ça a coupé. Oui, c'était pour le room service, madame. C'est ça. C'est ça. Que se passe-t-il? Mais ça va pas ou quoi? J'ai pas de téléphone donc me lâchez pas. Y'a rien qui marche. Nous avons été coupés, excusez-nous. Oui, aucun souci. Je vais vous prendre aussi l'assortiment de fromage. Est-ce que ça fait un peu beaucoup pour une personne? Non, c'est tout. Nous on va pouvoir doser également les portions de fromage si vous souhaitez pour une personne. Ok, super, je vous remercie. Je vais manger. Et j'ai réussi à mettre Grey's Anatomy sur la télé donc je suis encore plus contente. Heureusement que j'ai commandé deux trucs. Désolée, mais j'ai pas l'habitude de ce genre d'endroit. Mon repas. Ça y est, je suis sortie de la douche. Je vais faire ma skincare routine. D'ailleurs, cette partie de la vidéo est en collaboration avec Tipologie. Je vais faire ma skincare routine, mais j'ai trop envie de vous raconter mes angoisses, mes trucs. Donc, je pense que je vais faire un mix des deux. Tipologie, c'est une marque française que vous pourrez retrouver uniquement sur internet. La particularité de Tipologie, c'est qu'ils sont connus pour être clean et hyper transparents sur les ingrédients. Il y a pas mal de produits. Soit vous faites votre petite sélection, soit sur le site, vous remplissez le petit formulaire. C'est incroyable comment ils sortent la routine parfaite. Mais vraiment, du coup, le soir, moi, je suis de la team repulpage. J'ai la peau vraiment déshydratée. Donc je mets ce petit sérum qui est à l'acide polyglutamique. En vrai j'en mets pas mal. J'aime trop les sérums. Ce que j'aime bien c'est varier un peu les produits selon mes besoins. Là je sais que j'ai vraiment besoin d'hydratation avec le froid. Parfois je peux mettre des produits un peu plus exfoliants. Aujourd'hui on va parler d'un produit. C'est une crème de nuit exfoliante. C'est à base de 6% d'AHA. Et il faut savoir un truc très important. C'est que c'est assez fort. Donc pour les peaux sensibles, faire ça au fur et à mesure. Mais du coup ça va permettre de lisser la peau, réduire l'apparence des pores, enlever les petites peaux mortes. Les produits exfoliants, c'est vraiment pour moi la clé pour une peau glowy. J'en mets pas mal et si jamais il y a des gens qui ont la peau déshydratée, sachez que malgré le fait que ce soit un produit exfoliant, ça me laisse la peau bien hydratée quand je me réveille le matin. Je vais mettre mon petit sérum pour les cils. C'est cils et sourcils, moi je mets que sur les cils parce que mes sourcils, merci, mais là, j'ai pas envie d'encore plus les épiler. Ça, je suis vraiment en train de le tester. J'aime trop ce genre de produit. Dernier truc, c'est bonus. D'ailleurs, j'en ai choisi une teintée, mais vous pouvez choisir la transparente. C'est une huile pour les lèvres qui permet d'hydrater
savez, et vous savez si vous me suivez, que j'ai besoin d'un baume à lèvres avant de dormir. En vrai, c'est teinté, mais c'est hyper léger, donc ça va. Si jamais les produits vous intéressent, n'hésitez pas à checker la barre d'infos. Il y a un petit lien qui vous permet d'avoir une offre. À partir de 30€ d'achat, vous avez une huile pour les lèvres offerte. Donc c'est trop cool. Vous pouvez foncer les yeux fermés. Franchement, si vous recherchez une marque clean, assez abordable et qui répond aux besoins de tous les types de peau, vous pouvez foncer vers Typologie. Voilà pour ma skincare routine. En vrai, c'était rapide. Bon, du coup, attendez, j'ai dit que je vous racontais le truc là. Pour ceux qui me suivent depuis plusieurs mois, plusieurs années maintenant, vous savez qu'il m'est arrivé un truc pas très cool. Il y a quelques années, dans le train, on a essayé de me voler mes affaires, bref, ça s'est un peu mal passé. Et j'ai gardé un traumatisme. En fait, au début, j'arrivais plus trop à sortir chez moi parce que j'étais un peu choquée de ce qui m'était arrivé. Au fur et à mesure, je reprenais un peu ma vie, mais toujours avec des angoisses. Et je pense que YouTube n'a pas aidé, même si ça m'a aidé sur plein de choses. Je travaille tout le temps de la maison, mais genre vraiment tout le temps. Du coup, je ne suis plus habituée à sortir. C'est réel ce que je vous dis, c'est super grave. À 21 ans de dire ça, et ça m'a complètement enfoncée dans mon traumatisme, parce que du coup je ne sors plus, et quand je sors je suis effrayée, mais c'est pas une blague. En fait, je ne pensais jamais vous dire ça, parce que si vous voulez, je suis le contraire de cette personne. Normalement, avant ce qui m'est arrivé, en tout cas j'étais le contraire. Je me rends compte que j'y arrive plus du tout, et ça va vous surprendre, mais je n'arrive plus, en tout cas en France, à sortir si je ne connais pas la ville, l'endroit où je vais, et évidemment s'il ne fait pas jour. Pour vous dire, là j'ai peur de sortir de ma chambre. J'ai fait plein de choses toute seule, j'ai voyagé seule, mais je peux pas vous expliquer. En fait, je pense que c'est aussi un blocage avec ce pays, j'en sais rien. J'ai vraiment l'impression que quand je vais sortir, il va m'arriver quelque chose, quoi. Bah, c'est un traumatisme, merci. Voilà, tout ça pour dire ça. Et ce qui est drôle, c'est que quand je vais en Corée ou au Japon, bah, évidemment, c'est très très safe, on va pas se mentir. Donc, j'ai plus du tout ce côté-là de ma personnalité qui, franchement, me handicape tous les jours de ma vie. Et c'est pour ça que je me sens si bien là-bas. Pour moi, sortir, aller chercher, je sais pas, à manger, à emporter, à côté, ou peu importe, aller voir la ville, bah c'est devenu une angoisse, une vraie angoisse. J'ai l'impression qu'il peut m'arriver quelque chose, et en fait du coup je peux le faire, mais je vais regarder partout autour de moi, je vais stresser, ça va me saouler et je vais vouloir rentrer. C'est aussi un défi du coup pour moi de d'être là comme ça ce week-end toute seule, parce que bah il faut bien que j'aille manger, je vais pas pouvoir manger du room service tous les jours. Enfin voilà, quand même je voulais vous dire que c'est un truc dont je parle pas, mais c'est un réel problème dans ma vie. Si jamais vous êtes dans la même situation, bah voilà, vous êtes pas tout seul, moi je suis là. À 21 ans, j'arrive plus à sortir de chez moi. Enfin bref, demain le programme. Pour être à fond dans ce week-end détente, j'ai réservé un massage, parce qu'on peut se faire masser dans l'hôtel. Par contre, c'est à 10h45, je voulais trop faire ça le soir, mais c'était la seule dispo. Parce qu'en plus, le petit-déj, j'ai compris, mon dieu, mon rêve. Je crois que j'ai jamais pris un petit-déj. Attendez, est-ce que j'ai déjà pris un petit-déj compris dans un hôtel? C'est trop trop bon. Petit-déj, ensuite massage, ensuite bah faudra bien sortir, aller manger, aller découvrir la ville, j'en sais rien. Et on a des choses à faire, j'ai des choses à écrire, il faut que je m'occupe, je sais pas ce que je vais faire. J'ai ramené des livres, j'ai ramené de quoi écrire, des nouvelles des vidéos, des petits trucs. En commandant à manger, j'ai vu qu'il y avait une option, me réveiller. Sans téléphone, je peux pas mettre de réveil, et demain faut que je me réveille, j'ai un massage. Samedi, 8h45, imaginez, ça sonne pas. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Ah, vous voulez voir un truc qui me stresse? Je sais que certaines femmes qui regardent cette vidéo, on va se comprendre. Je ne peux pas fermer de l'intérieur. Il n'y a pas un loquet. Bon courage pour dormir. Quelqu'un peut venir me tuer dans mon sommeil? Si vous saviez comment j'ai bien dormi, c'est incroyable. Et vous savez que mon téléphone ne me manque pas du tout. En fait, le seul truc qui me manque, c'est que genre là, j'ai envie d'envoyer un petit message à Jérémy pour lui dire comment j'ai dormi, comment la chambre elle est trop bien, comment je suis trop bien. Mais c'est tout. Je vous jure que mon téléphone, en fait, quand t'as pas de téléphone, il te manque pas. Pour le coup, je pensais que ça allait vraiment, genre j'allais m'ennuyer, que je sais pas, après on va voir aujourd'hui. Mais pas du tout pour l'instant, je suis trop contente. Et je suis grave de bonne humeur. Je me rends compte de toute manière que, en vrai, le téléphone, ça impacte vraiment trop mes humeurs. Genre là, j'ai rien vu de négatif. Là, je suis trop contente, je vais aller manger mon petit-déj. Et après, je vais me faire masser. Par contre, je suis timide, donc je vais devoir prendre ma petite caméra. Parce que sinon, au petit-déj, tout le monde va me regarder. J'ai beau être youtubeuse, je ne le suis pas à ce point. Je suis de retour.
bonjour. Je me suis un peu endormie, j'avoue, quand je suis rentrée du massage. C'était incroyable. Commencer une journée par un massage, excusez-moi, mais... Tous les jours, je vais aller essayer de trouver un petit truc à manger. Étant donné que j'ai pas de téléphone, je peux même pas aller voir, genre, quel restaurant il y a. Où est-ce que je vais? Genre, il faut pas que je me perde, parce que du coup... Après, je peux toujours demander à des gens, mais vous voyez ce que je veux dire? Déjà, ce serait bien que je mange sur place, toute seule, un restaurant. Ensuite, on rentrera à l'hôtel. Je vais me poser, écrire. J'ai pris des livres, lire, écrire. Ce que je ne fais absolument jamais. Ce soir, vous savez ce que j'ai trop envie de faire? J'ai envie de faire une soirée, genre room service, cocktail, touch illimité. Vous savez que je suis toujours hyper impressionnée là de voir à quel point mon téléphone me manque pas, mais surtout de voir à quel point au contraire, genre là, demain je rentre chez moi, il va y avoir mon téléphone. En plus, j'ai une vidéo à poster, donc je suis obligée d'avoir mon téléphone. L'angoisse de retrouver ce stress que je n'ai plus du tout là. Par contre, si à la fin du week-end je me sens vraiment trop bien et que ça s'est trop bien passé, je vous jure que je le ferai plus souvent. Et à essayer sans caméra. Alors ça serait archi dur parce que là j'ai l'impression de grave pas être seule. En fait, j'ai l'impression d'avoir mes idées claires. Et c'est hyper grave, vous savez que plus j'en parle, plus je me dis. Qu'est-ce que je raconte là? C'est hyper grave. Avec ce qui m'est arrivé au mois de décembre, je vous avais fait une vidéo quand j'étais à New York et je vous disais que ça m'avait fait me rendre compte à quel point j'étais stressée, à quel point tout s'est arrêté d'un coup et que j'avais plus aucun stress, je ressentais plus rien et que je me sentais mieux, beaucoup mieux. En fait, quand j'y pense, ça joue énormément sur le téléphone parce que du coup, j'arrivais pas à être sur mon téléphone, j'arrivais pas à regarder des trucs un peu normaux, genre j'étais trop triste. Et je m'étais promis de plus jamais me rendre malade pour des trucs bêtes ou passer trop de temps sur les écrans ou faire ce genre de choses. Et franchement, je me suis vraiment améliorée et dans tous les cas en fait c'est très dur, c'est pas juste, je suis pas juste de dire bon bah je le fais plus, mais malgré tout je m'étais vraiment améliorée, pas assez, ça manque encore, genre limite en planning je vais mettre week-end sans téléphone, comme ça tu te forces en fait. L'hôtel est juste là et je pense que je vais traverser le pont et qu'on va aller de l'autre côté parce que j'ai l'impression que c'est là-bas qu'il y a tout. Bon, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, je suis chez Monoprix. Je crois que je vais me prendre à manger, je vais rentrer. J'ai froid, il fait gris, il n'y a rien à faire. Ça arrange pas mes angoisses. J'ai des gros soucis. C'était un énorme fail. Là, je me rends compte que j'ai un vrai problème, hein. Ce serait bien que je mange sur place, toute seule, un restaurant. Pour ma défense, il fait gris, il fait froid, il y a du vent, il y a rien à faire. Mais bon, malgré tout, je suis direct allée chez Monoprix, j'ai pris un plat à emporter là, enfin un plat tout prêt. Je l'ai fait réchauffer au micro-ondes. Vous savez, il y a des micro-ondes à l'entrée. Et bah, vous voyez les 4 minutes où tu dois attendre ton plat, que t'es comme ça sans téléphone. Là, mon téléphone, il me manque. Oh, je suis désolée, je voulais vous offrir ce moment ensemble, profiter de la vie, aller se balader, admirer l'architecture, je ne sais quoi. Pas du tout. Je vais manger mon plat préparé, Monoprix, et puis c'est tout. Vous savez pourquoi je vous en ai jamais parlé de tout ça, de tous ces problèmes? C'est parce que j'ai l'air bête, j'ai l'impression. Ça me saoule. Ok, on va faire un unboxing Monoprix. J'ai changé de haut parce que je meurs de chaud. J'ai acheté un tikka masala. J'ai acheté ça, ça m'a donné trop envie. Ça me rappelle trop mon enfance. Chips allumettes, cette vidéo, c'était pas prévu que ça finisse comme ça. J'ai acheté du kombucha à la pêche. Et j'ai acheté des Mikado, ça fait genre 10 ans que j'en ai pas mangé, je sais pas, ça m'a donné trop envie. Voilà. C'est très bon. Quel repas. Je me fais chier là quand même. Je me suis endormie. Vous avez jamais vu quelqu'un s'endormir comme ça? Je me suis posée sur le lit, mais en même temps, sans rien mettre, sans série, sans rien, tu t'endors trop vite en fait. Et normalement, j'arrive jamais à faire de sieste. J'ai dormi pendant 3 heures. C'est même plus une sieste là, c'est une nuit. Il faut un petit thé détox parce que ce soir, je vais boire plein de cocktails. Est-ce que je suis en train de préparer un nouveau voyage pour vous faire des vidéos? Peut-être bien, je sais pas. Vous saurez d'ici quelques mois, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Je me suis cogné le pied tellement fort. Est-ce qu'il serait pas l'heure de se commander un petit cocktail? J'ai trop envie de boire un Pornstar Martini, pour ceux qui connaissent. C'est le meilleur cocktail du monde. Je commande ça partout, sauf que c'est jamais sur les cartes en fait. Donc du coup, parfois tu te retrouves à dire, genre là, au téléphone, est-ce que je peux avoir un Pornstar? Et c'est très gênant. Oui, bonsoir, excuse-moi de vous déranger. Je vous appelle pour savoir s'il est possible de commander un cocktail en chambre. Pour les cocktails, malheureusement non. Et du coup, il faut que j'aille au bar, c'est ça? Ok. C'est une blague. Toute ma soirée était basée sur ce cocktail. Sinon, je vais boire un cocktail au bar, mais ça fait quand même très très seul. C'est un peu la honte, quoi.
C'est bon, j'ai rien à prouver à personne là. Donnez-moi mon petit pain de Star Martini, c'est un jour de fête. Aujourd'hui on est samedi soir, je suis toute seule. Je vais y aller quand même. En direction du cocktail seul. Mon dieu, là je sens grave la zone de confort. Boire un cocktail seul. Ok, je suis trop contente parce que en fait il y a deux salles. Une salle avec plein de monde. Quand je suis rentrée, j'ai trop peur. Et il y a une salle où il y a personne. Et genre j'ai mon petit carnet, au pire t'as fait genre je travaille. Ah oui, je vous ai pas dit le plus important, ils ont des brand stars. Par contre, excusez-moi, c'est quoi cette quantité de champagne? Ça va pas ou quoi? Je suis toute seule, hein. Je pourrais pas me traîner jusqu'à ma chambre toute seule. Il y a une vraie question que je me pose, s'il y a des barman, dites-moi, est-ce qu'on est d'accord qu'il faut prendre une gorgée de champagne, une gorgée de cocktail? C'est bon. Et il y a des petites olives, m'en dites pas plus. Je vis la soirée de mes rêves. De retour dans la chambre, j'ai bu mon pain de Star, c'était extrêmement bon. J'ai noté mes petites idées de vidéos, j'ai fait mes petits trucs. Du coup, en bas, directement au bar, j'ai pu commander room service. J'ai commandé des pâtes à la boulot. J'espère qu'il y aura une bonne quantité, parce que hier, c'était pas trop ça. Mes pâtes bolo. Sincèrement, l'hôtel est incroyable, mais genre le room service, bon, non pas que je sois une experte, mais genre il y a différents types de pâtes qui sont mélangées dans mes pâtes. N'abusons pas quand même. Ah là, je passe une très bonne soirée. J'ai envie de rester des années dans cet hôtel. Je vous jure qu'il y a deux choses. Déjà, l'hôtel est incroyable, donc je me sens bien. Mais je suis sûre à 10 millions de pourcents que le fait de pas avoir de téléphone, ça change tout. Parce qu'il n'y a rien qui peut affecter mon humeur. Vous voyez ce que je veux dire? Genre là, je suis trop contente. Il n'y a pas de mauvaises nouvelles. Il n'y a pas de truc qui me saoule. Il n'y a rien. Même s'il se passe un truc de malade, je suis pas au courant. Est-ce que c'est pas mieux d'ailleurs de pas être au courant? Je pense que si. Ce n'est pas de bolo, mais même moi je fais mieux. Non, c'est pas gentil de dire ça comme ça. Je voulais pas dire ça comme ça, mais c'est un peu abusé quand même. En vrai, je suis dans le déni parce que demain j'ai plein de travail. J'aurais dû vraiment travailler ce week-end et je l'ai pas fait. Je me mets un peu en retard, mais j'ai pas envie d'y penser et genre de stresser, vous voyez ce que je veux dire. En fait, faut que j'apprenne à arrêter de stresser. Il n'y a pas besoin de stresser, ça va pas me faire avancer dans ma to-do list. Vous savez que ça marche plus Grey's Anatomy sur la télé, j'ai trop le samu de regarder sur l'ordi. Mais j'ai pas de notif, promis. Je suis douchée, crémée. Je suis grave triste que ce soit ma dernière nuit, mais je suis contente parce qu'il est encore tôt. Ça veut dire que je vais bien dormir jusqu'à demain matin. Je vais dormir d'un coup là, je le sens. Je sais pas comment on peut dormir autant. Je suis en train de rattraper toutes ces années de sommeil. On se retrouve demain. Bonjour. Bah, je sais pas, je suis encore habillée pareil. J'avais pas prévu à cette tenue. Je sais pas ce que j'ai foutu. J'avais mis mon réveil à 9h30. Je me suis réveillée genre beaucoup plus tard parce que je me suis rendormie. Du coup, je me suis vite levée. Je me suis douchée. J'ai pas filmé parce que ça a pris 2 secondes. Je suis allée vite prendre mon petit déj et je suis revenue à la chambre. Il est 11h45. Je dors de la chambre à midi. Il faut que je range tout en 15 minutes. Let's go. Bisous la chambre, bisous la salle de bain, à bientôt j'espère. Mon téléphone! Oh my god! Donc du coup je suis rentrée à la maison, j'ai récupéré mon téléphone. Il faut savoir quand même que c'est un truc de ouf parce que mon anxiété s'est revenue instantanément dès que j'ai repris mon téléphone. Mais c'est réel! Donc déjà que je me sentais hyper bien ce week-end et quand je vois l'effet que le téléphone a quand je rentre, c'est un délire. Pour cette vidéo, je me fixe un objectif et j'espère que vous ferez de même. Avant, j'arrivais à genre 21h le soir, essayer de me mettre en mode avion et plus calculer. Et en fait j'ai l'avantage d'avoir un iPad. Je me dis s'il y a une urgence le soir, s'il y a un message que je dois recevoir ou peu importe, je le recevrai vu que j'ai mes messages, mais au moins j'ai pas de réseaux sociaux, j'ai rien. Je vous dis pas d'acheter un iPad, ça fait un peu cher comme solution. Mais bref, moi c'est ce qui me rassure, c'est de me dire que s'il y a une urgence, je peux la recevoir. Avant j'arrivais, je le faisais pas tous les soirs, mais quand je le faisais, je me sentais trop bien. Donc je veux remettre ça à jour. Et idéalement, ça c'est le plus dur, c'est de me dire que le matin, je prends mon petit déj, je fais mes petits trucs, je me douche, je me prépare. Une fois que je suis préparée et une fois que je commence à travailler, genre je sais pas, 9h, là je prends mon téléphone et pas juste regarder mes notifs dès le matin. Ça serait vraiment bien. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai trop aimé. Dites-moi si vous voulez plus de vidéos comme ça en commentaire. En attendant, moi, je vous retrouve mercredi prochain dans une nouvelle vidéo à 18h. Je vous fais plein de bisous.